Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Hichem Benbrika. Dans ce podcast inédit, vous allez voir que parfois le danger vient de là où on ne l'attend pas. C'est le cas dans la tragique histoire de Hichem et Linda Benbrika. Lui est ouvrier et elle, assistante de direction. Ils mènent une existence paisible et heureuse à Lagarde, près de Toulon, entourés de leurs deux garçons. Mais ce bonheur sans nuages s'arrête brutalement dans la soirée du 2 octobre 2011. Hichem est froidement exécuté d'une balle dans le thorax au pied de son immeuble. Alors que les enquêteurs s'emparent du dossier, le portrait de cette famille idéale se fissure peu à peu. Tensions, mensonges, infidélité, et si les secrets du couple étaient à l'origine du drame? L'affaire Hichem Benbrika, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Dimanche 2 octobre 2011, dans un immeuble près de Toulon. Il est 21h30. Un individu se cache dans un local à vélo, armé d'un fusil à pompe. Tapis derrière la porte, il guette discrètement les allées et venues. Soudain, il aperçoit un homme qui se dirige vers le hall d'entrée. Il sort alors de sa cachette, charge son arme et lui tire une balle en plein thorax. L'homme n'a pas le temps de réagir. Il s'écroule dans une mare de sang. C'est le début d'une affaire criminelle machiavélique qui a monopolisé pendant de longs mois les policiers toulonnais. Tout commence quelques jours plus tôt, à l'automne 2011, à Lagarde, une commune du Var située à une dizaine de kilomètres de Toulon. C'est une ville qui a la particularité d'avoir d'un côté des plages. Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Sympathique, d'un autre côté des montagnes. Avec un centre-ville un peu médiéval, un peu historique. Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Qui se caractérise par son rocher qui surplombe la région. C'est ici, dans cet immeuble d'un quartier proche du centre-ville, que vivent Hichem Benbrika, 35 ans, et son épouse, Linda, 34 ans. Hichem est artisan carreleur. Il y a 2 ans, il connaît un revers de fortune. Sa société fait faillite, mais le jeune homme se relève. Il travaille depuis pour des entrepreneurs et ne compte pas ses heures. Hichem est catalogué comme un très bon carreleur. Il aime travailler au chantier. Il n'est jamais en retard. Yasmina Benbrika, mère d'Hichem. Il est sérieux dans son travail. Linda, elle, est assistante de direction dans une entreprise de sécurité. Et comme son mari, elle est une employée modèle. Elle a gravi également les échelons dans cette entreprise. Elle est volontaire, elle est ambitieuse. C'est une femme qui aime la réussite. Linda était consciencieuse. Nicolas Massuco, avocat de la Défense. Appréciée et très professionnelle. Linda, on ne tarit pas d'éloges sur elle. Hichem et Linda sont heureux. Ils viennent tout juste de fêter leurs 10 ans de mariage. Et ils s'épanouissent auprès de leurs 2 garçons âgés de 4 et 9 ans. Hichem, c'est un papa parfait. Un papa très proche de ses 2 gamins. Il les amène au sport. Il passe les dimanches avec eux. Il va manger chez ses parents. Linda, elle s'en occupait non seulement à la sortie de l'école, mais elle leur faisait faire les devoirs. Linda était la mère idéale. Ils étaient mais vraiment bien bien ensemble. Hein. Fatia Benbrika, sœur d'Hichem. La petite famille parfaite.
Mais ce bonheur ne va pas durer. Le 2 octobre 2011, la vie de Hichem et de Linda bascule. À 21h30, le commissariat de police reçoit plusieurs appels du quartier où vit la famille Benbrika. Au bout du fil, des habitants paniqués. Ils ont entendu un bruit fracassant dans un des immeubles. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce que les versions divergent entre un coup de feu, une détonation, un bruit sourd. Le bruit de la détonation a un petit peu alerté l'ensemble du quartier. Il se passe quelque chose de grave dans ce quartier d'apparence paisible. En quelques minutes, les policiers arrivent sur place. Ils se précipitent vers l'immeuble indiqué par les témoins. Et dans le hall d'entrée, ils tombent sur une scène d'horreur. Ils découvrent le corps d'un homme dans l'entrée, hein, dans cette cage d'escalier. Au sol, allongé sur le dos, baignant dans une mare de sang. Les voisins vont indiquer aux policiers qu'il s'agit d'Hichem Benbrika, qui vivait dans cet immeuble avec sa famille. L'homme est décédé. À côté de lui, une femme en pleurs. Elle est prostrée, en état de choc. C'est Linda, l'épouse de la victime. Elle est vraiment éplorée et dans un état de tristesse et de désespoir. On a une femme en grande détresse qui vient de perdre son mari de manière sanglante. Les policiers partaient pour une vérification de routine et ils se retrouvent face à une scène de crime. Alors, ils demandent du renfort. Quelques minutes plus tard, la police scientifique arrive sur les lieux. Elle examine immédiatement le corps d'Hichem. Il est décédé visiblement d'une blessure par balle. Il aurait pris une balle dans le thorax. Les policiers déduisent rapidement qu'il s'agit d'un tir qui aurait pu être effectué par un fusil de chasse, un tir à bout touchant. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Hichem Benbrika, ce père de famille tranquille, a été exécuté au pied de son immeuble, abattu à coups de fusil. Ce sont des méthodes du grand banditisme. Mais les policiers vont vite s'apercevoir que derrière ce drame se trame une histoire machiavélique. Alors que les policiers s'interrogent, à quelques pâtés de maison de là, la famille d'Hichem reçoit un coup de fil. C'est une des voisines de leur fils. Elle leur demande de venir au plus vite, sans donner de détails. En quelques minutes, ils arrivent sur place. Et ils se retrouvent plongés dans un vrai cauchemar. On voit une scène. Les pompiers, la police. On a dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et là, il y a les parents de Linda qui approchent vers ma mari. Et il me dit à ma mari, Hichem, il est mort. Hichem, il est mort. Youssef Benbrika, père d'Hichem. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a resté comme un statue. On ne parle pas, on regarde, on ne croit pas. On ne croit pas. C'est pas possible, c'est impossible. Mais comment on va faire pour vivre ça, quoi? J'ai essayé d'y aller voir mon fils, mais la police, il ne me le laisse pas. Il m'a dit, il ne faut pas, madame. Il ne faut pas approcher. Les policiers font barrage, ils veulent préserver la famille de cette vision épouvantable. Mais les proches insistent, ils veulent être sûrs qu'il s'agit bien d'Hichem. Je vois mon fils, Sora, le paillasson, dans un bain de sang de partout. J'ai crié toutes mes forces, Hichem, Hichem, il est dans le sang,
C'est affreux. C'est affreux. J'étais assise devant ma croupie et puis j'attendais en fait. Je sais pas, j'attendais quelque chose. Que l'inspecteur, eh ben, il me dise, en fait, madame, eh ben, on s'est trompé, c'est pas lui. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a vu? Cette image, elle reste tout le temps dans ma tête. Une soirée difficile, terrible. Les policiers assistent impuissants à la douleur de la famille. Et ils s'interrogent. Qui a tué cet homme sans histoire juste en bas de son domicile? Et surtout, pourquoi? Pour le comprendre, les enquêteurs commencent par interroger Linda, l'épouse de la victime. Elle est en état de choc, mais elle trouve la force de raconter ce qui s'est passé. Elle va expliquer qu'il s'agissait d'une soirée normale. Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Hichem regardait un match à la télé. Elle était, elle, dans sa chambre avec les deux enfants qui regardaient un dessin animé. Lorsque l'interphone a sonné, et il aurait dit à son épouse, « Je descends, c'est un copain. » Hichem descend sans aucune inquiétude particulière. Et à ce moment-là, elle entend la détonation. Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Donc elle sort de l'appartement. Et elle voit que c'est son mari qui a été abattu. Les enquêteurs sont persuadés qu'Hichem a été attiré dans un guet-apens. Le jeune père de famille aurait-il été victime d'un règlement de compte? À ce stade de l'enquête, les policiers n'ont pas la réponse à cette question. Mais ils ont déjà un suspect. L'ami qui a sonné à l'interphone. Seulement, il y a un problème. Les policiers vont donc demander à Linda qui a sonné à l'interphone. Si son mari lui a donné des indications, elle dit que non, qu'il lui a simplement dit qu'il descendait. Linda ne sait rien de cet ami, même pas son nom. Pourtant, cet homme est la seule piste des policiers. Alors ils décident de se pencher sur la vie d'Hichem. Peut-être y trouveront-ils une information qui leur permettra d'identifier le suspect. Le soir même, les enquêteurs font le tour du quartier pour interroger les proches de la victime. Et ils apprennent qu'il est le cadet de 4 enfants. C'est le dernier, c'est le petit. Yasmina Benbrika, mère d'Hichem. Même qu'il a grandi, il est petit pour nous. Hichem, mon fils, c'est le chouchou de la maison. C'était mon petit frère. Fatia Benbrika, sœur d'Hichem. Mon protégé, en fait. J'adorais Hichem. Hichem Benbrika grandit à la garde. Un adolescent timide qui ne pose aucun problème, sauf à l'école. Hichem est un manuel, les études, ça n'est pas son truc. Alors très vite, il choisit sa voie. Il sera carreleur comme son père. Oui, oui, j'étais fier de lui, c'est vrai. J'étais fier de Hichem, oui, c'est vrai. Ah, Hichem, mon fils, il est vraiment gentil. C'était quelqu'un de timide, de réservé. Il était respectueux des gens, en fait. Il est généreux. Et Hichem, quand quelqu'un il appelle pour quelque chose, il est toujours là. Toujours. Il dit jamais non pour faire quelque chose de bien. À 15 ans, Hichem rencontre Linda. Ils habitent dans le même quartier à la garde. Et ils tombent fous amoureux. Linda est une femme travailleuse, brillante par certains côtés. Elle a eu son bac. Elle a toujours réussi ses études. Elle est allée à la faculté. Les deux ados ne se quittent plus. Entre eux, c'est une évidence. Elle était folle de lui. Mais elle aimait Hichem. C'était le plus beau. Ils étaient amoureux. Depuis qu'elle a connu Linda, il est amoureux d'elle.
c'était sa ligne d'âme, mais c'était la meilleure, la plus belle. Il me dit, c'est la femme de ma vie, maman. Je me marie avec elle. Les deux adolescents s'aiment passionnément. Et cet amour va durer. À 26 ans, Hichem demande Linda en mariage. Leur union est célébrée le 30 juin 2001. C'était un superbe mariage. Mon fils, c'est le plus beau jour de sa vie quand ils sont mariés. Il était heureux. Il était trop, trop beau, quoi, mon frère. Il était superbe. Les Benbrika accueillent Linda dans leur famille à bras ouverts. Elle est avec mes parents, mes complices. Elle était la belle-fille parfaite. Elle était parfaite, Linda. La famille Benbrika décrit aux enquêteurs un jeune couple amoureux, heureux. D'autant qu'un an après leur mariage, Linda donne naissance à leur premier enfant. Hichem, il était aux anges, quoi. Et puis avec Linda, mais je voyais que c'était encore l'amour fou, quoi. Et puis du coup, ils ont refait un deuxième, encore un garçon. Hichem, il est content, Linda aussi. Ses enfants, c'est tout pour lui. Tout. Oh, elle adore ses enfants, elle adore. Youssef Benbrika, père d'Hichem. Hichem, il adore ses enfants, je vous dis la vérité. C'était un papa poule, mais vraiment un papa poule, quoi. Pour le moment, les policiers n'ont pas appris grand-chose qui puisse expliquer une fin aussi tragique. Mais les proches racontent que depuis quelque temps, le couple rencontrait des problèmes. La famille Benbrika confie aux enquêteurs qu'au fil des années, ils ne reconnaissent plus Linda. Elle ne vient plus leur rendre visite. Et surtout, elle délaisse son mari. Elle a changé, Linda. Elle a changé. Il était très souvent seul avec ses enfants, pendant que madame vaquait à ses occupations. J'aime le pauvre. Je le voyais aux courses avec les gosses, les deux petits, avec le petit Cathy et des boîtes de thon. Mais elle était jamais là. Mais elle était jamais là. Elle sort. On ne sait pas ni où elle va, ni qu'est-ce qu'elle fait. La famille Benbrika s'inquiète pour Hichem. Mais il les rassure. Tout va bien. Linda est seulement, dit-il, accaparée par son travail. Moi, je lui avais dit à mon frère Hichem, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'administre. Mais elle bosse du lundi jusqu'au lundi. En déplacement où? Et là, dès que j'ai insisté, il se refermait complètement sur lui-même, en fait. Je voyais qu'Hichem, sur son visage, elle n'est pas bien. Elle a du chagrin. On commence à comprendre qu'il est malheureux. Les policiers en savent désormais un peu plus sur Hichem. Une vie ordinaire, sans problème, si ce n'est un couple qui s'abîme au fil des années. Mais ils n'ont rien trouvé qui puisse expliquer son exécution. Qui a pu vouloir la mort de ce père de famille? Pour le moment, les enquêteurs n'en ont pas la moindre idée. Pour tenter d'avancer dans leur enquête, les policiers poursuivent leurs investigations sur la scène de crime. La famille Benbrika est toujours sur place, anéantie. Et ils vont être témoins d'un événement invraisemblable. Tout à coup, un homme arrive en hurlant. C'est le frère de Linda. Hichem était l'un de ses amis. Et en apprenant sa mort, il entre dans une rage folle. Il vient crier devant les badauds, devant les policiers. Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Sa sœur avait un amant, donc Linda avait un amant. Cet amant s'appelait Kamel. Kamel habite à Marseille. Et il dit, c'est Kamel ton mec, c'est Kamel, Kamel de Marseille. Il a dit, c'est Kamel qui l'a tué, c'est l'amant de ma sœur. Et là, je le regarde, tout le monde le regarde. On assiste alors à une scène totalement particulière, voire surréaliste. On ne le croit pas, on attend. On attend, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
Les enquêteurs et la famille Benbrika sont stupéfaits. Le propre frère de Linda l'accuse d'avoir un amant. Et ce serait lui qui aurait exécuté Hichem. Cette révélation est à peine croyable. Mais les policiers ne peuvent négliger aucune piste. Ils doivent vérifier l'information au plus vite. L'affaire prend une nouvelle tournure. Un enquêteur monte interroger Linda. Pour échapper à la vue du corps de son mari, elle s'est réfugiée dans son appartement. Alors Linda va très rapidement reconnaître avoir un amant. Qui s'appelle Kamel, qui vit à Marseille. Elle a trouvé chez ce Kamel ce qui lui manquait un petit peu après des années de couple. Linda raconte aux policiers qu'avec son mari, tout est fini depuis longtemps. Il y a 7 mois, elle rencontre Kamel. Il est agent de sécurité dans la société dans laquelle elle travaille. Entre eux, c'est le coup de foudre. Alors cet amant aurait-il voulu se débarrasser du mari ? Les policiers interrogent Linda, mais elle est catégorique. C'est totalement impossible, selon elle. Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Qu'il ait pu faire quelque chose d'aussi terrible. Elle est convaincue. Nicolas Massuco, avocat de la Défense. Que la piste criminelle ne peut venir de la part de son amant. Les policiers sont dubitatifs. Les crimes passionnels, ils en voient souvent dans leurs enquêtes. Mais Linda leur livre un élément qui met à mal cette hypothèse. Elle avait demandé à Hichem de divorcer et il avait accepté. Il n'y avait donc aucune raison de l'éliminer. Un divorce qui devait intervenir le 7 octobre 2011, soit 5 jours après la date des faits. Donc voilà, ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient plus vraiment ensemble. Pour les policiers, cette information est capitale. Si Linda et Hichem s'apprêtaient à divorcer, pourquoi Kamel l'aurait-il tué ? Décidément, les enquêteurs ont du mal à y voir clair dans cette affaire. Alors, ils décident d'aller interroger le principal intéressé. Ce fameux Kamel pourra sûrement leur en dire plus. L'homme habite à 1 heure de route de la gare à Marseille. Pendant qu'une équipe de policiers se rend chez lui, leurs collègues font une petite recherche sur son compte. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Kamel, c'est un jeune homme à l'époque des faits, âgé de 29 ans, qui est agent de sécurité. Cet homme, a priori, n'a pas le profil d'un assassin. Casier judiciaire vierge. Même s'il vient des quartiers difficiles de Marseille. Caroline Malaga, avocate de la Défense. Pour autant, c'est un jeune homme qui, visiblement, est axé vers les autres, puisqu'il aide les jeunes de son quartier à travers des associations. Il sera qualifié de nounours, un jeune homme qui faisait office de grand frère et qui n'est pas du tout quelqu'un de, a priori, dangereux et capable de commettre l'irréparable. Les policiers ne trouvent rien dans le portrait du jeune homme qui laisse penser qu'ils ont affaire à un assassin. Et d'ailleurs, après 1 heure de route, ils n'ont aucun mal à lui mettre la main dessus. Vers minuit, en arrivant sur le parking de sa résidence, il tombe sur Kamel. Il est dans sa voiture, avec un copain, Mourad. Et il ne semble avoir aucune intention de fuir. Immédiatement, les policiers vont procéder à une perquisition, une fouille du véhicule. Et les enquêteurs vont trouver dans le coffre du véhicule un sac avec des affaires sombres, un couteau de cuisine, mais également un poignard. Même si Hichem a été exécuté par balle, ces armes intriguent les policiers. Pourquoi Kamel a-t-il des couteaux dans le coffre de sa voiture ? Ils veulent tirer ça au clair. Ils décident de l'interpeller, ainsi que son ami Mourad, qu'il soupçonne d'être son complice.
les deux hommes sont placés en garde à vue. Le premier à être interrogé, c'est Kamel. D'emblée, les policiers lui mettent la pression. Ils lui annoncent qu'il est suspecté d'avoir tué le mari de sa maîtresse. Kamel est sidéré. Il ne comprend pas pourquoi on vient de l'interpeller. Je n'ai rien à voir dans ce qu'on me reproche. Je n'ai jamais mis les pieds à la garde. Je suis resté à Marseille toute la soirée. Il reconnaît simplement sa relation avec Linda et l'existence de cette relation sentimentale. Les policiers sont sceptiques. L'homme semble sincère et il jure qu'il est innocent. Au moment de l'assassinat d'Hichem, il était tranquillement chez lui, à Marseille. Pour vérifier ses déclarations, les enquêteurs tracent son téléphone. Les enquêteurs vont procéder à la géolocalisation du téléphone portable de Kamel et vont constater que effectivement le téléphone il a bien borné à Marseille au moment du crime. La géolocalisation est sans appel. Kamel possède donc un alibi solide. La seule et unique piste des policiers vient de s'effondrer. Mais la suite de cette garde à vue leur réserve encore bien des surprises. Dans la salle d'à côté, leur collègue interroge Mourad, l'ami de Kamel. À lui aussi, les policiers mettent la pression. Et rapidement, Mourad craque. Et ses révélations font basculer l'enquête. Mourad va préciser que Kamel lui a demandé de venir à son domicile. Kamel a confié son téléphone à son ami, lui a demandé d'envoyer des textos à des amis et même à Linda. Des SMS notés sur une feuille de papier. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on apprend que contrairement à ce qu'il a pu déclarer, Kamel n'est pas resté à son domicile tout au long de cette soirée. L'étau se resserre sur Kamel et il va devoir s'expliquer. Les aveux de Mourad font l'effet d'un coup de théâtre. Kamel n'était pas à Marseille au moment du meurtre. En revanche, il a tenté de se fabriquer un alibi en laissant son téléphone à Mourad. Et ce n'était certainement pas pour rien. Les policiers ont maintenant de sérieux arguments en main, mais ils en veulent plus. Il décide de réaliser une deuxième perquisition de la voiture, de fond en comble cette fois. Et dans la boîte à gants, ils font une découverte étonnante. On retrouve un mot manuscrit. Un papier sur lequel il est mentionné le nom, le prénom d'Hichem. Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Son adresse, sa plaque d'immatriculation. Et il y a aussi une photo de M. Benbrika qui accompagne ce mot. On pourrait presque imaginer un contrat donné à un tueur avec des informations. Voilà. Voilà telle personne qu'il faut retrouver, telle personne à abattre. À toi de faire le boulot. Les enquêteurs détiennent à présent des preuves solides contre Kamel. Ils sont convaincus qu'il est mêlé au meurtre d'Hichem, mais parviendront-ils à le faire avouer ? De retour dans la salle de garde à vue, les policiers apprennent à Kamel ce que Mourad vient d'avouer. Il n'était pas à Marseille, il a menti. Puis ils lui montrent le mot qu'ils ont retrouvé dans la voiture. Face à ces éléments accablants, Kamel craque. Donc, au bout d'un certain nombre de questionnements des enquêteurs, Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Kamel va finir par craquer et par reconnaître qu'il est l'auteur du coup de feu. Oui, il a bien tué Hichem. Kamel avoue, c'est bien lui l'assassin. Quelques heures seulement après le drame, les policiers tiennent leur coupable. Et ça n'est pas fini, car Kamel a d'autres révélations à faire. Il va expliquer que s'il est passé à l'acte, il l'a fait bien en quelque sorte pour aider Linda, qui lui indiquait depuis plusieurs mois qu'elle subissait des violences de la part de son mari, que les enfants subissaient des violences. Kamel va décrire Hichem
comme un mari abominable. Il faisait régner la terreur, c'était un massacre, il ne voulait pas divorcer, il menaçait de brûler les enfants si sa femme le quittait. Donc il explique que s'il l'a fait, c'est pour la libérer. Les enquêteurs tombent des nues. Linda ne leur a jamais parlé de violence. La jeune femme aurait-elle des choses à cacher ? Il pose la question à Kamel. Il s'empresse d'indiquer qu'elle n'y est pour rien. Caroline Malaga, avocate de la Défense. Et que c'est de sa seule et unique initiative. Linda n'en savait rien. Je suis allé moi-même dans l'appartement, j'ai sonné, il est descendu, je l'ai tué. 6 heures après la mort d'Hichem, les policiers ont déjà un coupable et des aveux. Et l'histoire semble claire. Kamel a tué Hichem pour mettre fin à l'enfer conjugal de Linda. À l'issue de sa garde à vue, Kamel est mis en examen pour assassinat. Mais une question reste en suspens. Pourquoi Linda n'a-t-elle rien dit à propos de ces violences ? Les enquêteurs n'en ont pas fini avec cette affaire. Le lendemain matin, à la première heure, les policiers convoquent Linda au commissariat. Ils lui lisent les aveux de Kamel. Il raconte qu'il a tué Hichem parce qu'il était un mari violent. Et là, la jeune femme entre dans une rage folle. Son amant est un menteur, dit-elle. Linda n'a jamais subi de violence. Nicolas Massuco, avocat de la Défense. De la part de Hichem. Elle va dépeindre le portrait d'Hichem à l'opposé de ce que Kamel expliquera. Pour elle, c'était un bon papa. Il n'a jamais été violent envers eux. Et même en ce qui la concerne, elle réfute toute violence comme a pu le décrire Kamel. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Linda nie toutes les accusations de violence contre son mari. En revanche, elle leur indique qu'elle a son idée sur les motivations de son amant. La jalousie. Kamel aurait été un amant jaloux de l'existence d'Hichem, de ce mari peut-être trop présent. Parce que, évidemment, même si elle divorçait, elle avait quand même des sentiments pour le père de ses fils. Elle dit « Il a privé mes enfants d'un père, jamais je ne lui pardonnerai ». Elle va clairement indiquer qu'elle veut que justice soit rendue pour elle et pour ses enfants, et qu'elle ne veut plus jamais voir sa tête en face d'elle. Pour les policiers, l'affaire semble claire. Hichem a été la victime d'un rival amoureux. Mais ils ne vont pas tarder à découvrir qu'un complot machiavélique se cache derrière cette histoire. De leur côté, les proches d'Hichem ne sont pas encore informés de l'avancée de l'enquête. Mais la presse s'est déjà emparée des aveux de Kamel. Quand ils voient leur histoire étalée à la une, c'est un nouveau choc. En première page, il y avait écrit l'amant de la veuve qui a tué Hichem. Bon ben, un petit truc comme ça. Fatia Benbrika, sœur d'Hichem. Je suis tombée sur la tête. Je réagis mal. Mal. C'est des choses inacceptables pour nous. Yasmina Benbrika, mère d'Hichem. La femme à mon fils, elle en a un amant. La famille Benbrika tombe des nues. Leur belle-fille parfaite est infidèle et menteuse. Cette intention de divorce ne serait qu'une invention de sa part. Il faut savoir que personne n'était au courant, tant dans la famille d'Hichem que dans la famille de Linda, de cette procédure de divorce. C'est bizarre cette histoire. On ne savait pas, je ne savais rien. C'est louche. La famille Benbrika est abasourdie. Sa belle-fille n'est pas celle qu'elle croyait. Cette découverte leur fait l'effet d'un électrochoc. Un électrochoc qui va changer le cours de l'enquête. Le lendemain du meurtre, une femme se présente au commissariat. C'est Fatia, la sœur d'Hichem.
Elle est le pilier de la famille Benbrika. Elle était très proche de son frère. Et elle est bien décidée à lui rendre justice. Elle raconte aux policiers que ce qu'elle vient d'apprendre sur sa belle-sœur la pousse aujourd'hui à tout révéler. Selon elle, Linda n'est pas une veuve éplorée, loin de là. Car il y a 2 ans, elle aurait déjà tenté d'empoisonner son mari. Hichem était rentré à la maison et Linda lui avait mis un casse-croûte sur la table et puis avec une petite bouteille de coca ouverte. Hichem, qui est rentré du chantier, il mange le casse-croûte et puis il boit la bouteille. Hichem, il est tombé directement par terre. Il avait de la bave qui sortait, il était en pleine crise. Fatia raconte qu'Hichem est immédiatement hospitalisé dans un état grave. Sa femme, ainsi que toute sa famille, se rend à son chevet. Et ce que le médecin leur annonce les laisse sans voix. Hichem a été empoisonné. Ce qui ressortait de l'expertise, c'est qu'il s'agissait d'une intoxication aux insecticides. Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Ou aux neurotoxiques. Le médecin, il dit à ma mère, vous allez avec votre belle-fille, vous allez récupérer la bouteille de coca qui reste, quoi. Parce qu'il y a eu un empoisonnement. Je dis, Linda, viens, on y va, on va chercher. Il m'a dit non, 2 fois. En fait, elle était complètement paniquée. Fatia est persuadée que Linda a bien tenté d'empoisonner son frère. Car selon elle, c'est une femme machiavélique qui cache bien son jeu. Pour les enquêteurs, il s'agit là d'une accusation très grave. Ils se demandent si Fatia n'est pas aveuglée par sa peine. Désespérée, n'accuse-t-elle pas à tort sa belle-sœur ? Ils mènent alors leur petite enquête. Et ils apprennent qu'Hichem a bien été hospitalisé suite à une intoxication aux insecticides ou aux neurotoxiques. Mais en consultant leur fichier, les enquêteurs sont surpris. Hichem n'a pas déposé plainte. C'était mon frère Hichem qui devait faire les démarches de l'enquête. Hichem n'a pas voulu le faire. Je pense par peur de comprendre. Et là, c'était sa femme quand même. On n'a pas vérifié ce que son épouse avait pu lui préparer comme sandwich. On n'a pas fait des recherches poussées concernant la canette de coca qu'il avait bu. Ça fait partie des zones d'ombre de ce dossier. Les policiers écoutent Fatia avec attention. L'histoire prend une toute autre ampleur. Selon elle, Linda aurait une telle haine de son mari qu'elle aurait déjà tenté de le supprimer une première fois. Puis elle aurait récidivé 2 ans plus tard. Mais cette hypothèse se heurte à un problème. Les enquêteurs n'ont aucune preuve contre elle. Aucun reproche ne va pouvoir être fait à Linda. Rien. Et je vais même plus loin, son amant la met totalement hors de cause. Linda, elle, vit très mal les accusations de sa belle-famille. Elle coupe d'ailleurs tout contact avec eux. L'intérieur d'elle-même, c'est un chaos total. Nicolas Massucco, avocat de la Défense. Elle se retrouve veuve, mère de 2 enfants. On a une femme qui a tout perdu. Elle est triste d'avoir perdu Hichem. Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Et elle a aussi perdu Kamel. On a une femme qui ne respire plus que pour ses 2 enfants. La peine de Linda est loin de calmer la famille Benbrika. Pour eux, elle fait du cinéma. Fatia explique aux enquêteurs que sa belle-sœur est une mythomane et qu'il faut s'en méfier. Elle leur relate d'ailleurs un de ses mensonges quelques mois plus tôt. Je lui dis alors, enfin ça va Linda ? Elle me dit non, ça va pas, j'ai le cancer. Je la regarde, mais comment ça ? J'ai dit, tu fais le cancer ? Mais moi choquée quoi ! Elle me dit, ben oui, je fais des chimios chaque mois. C'est 3 000 euros la chimio que je paye de ma poche.
Je la regarde, je fais, écoute-moi bien, Linda. Où t'as vu, toi, qu'on paye de la chignon 3000 euros de sa poche? Je fais, non, mais je te fous de ma gueule ou quoi? Elle fait, non, non, non. Linda, on le connaît. Elle ment. Linda, c'était la personne qui aimait dire, je suis enceinte, j'ai perdu le bébé. Oh, la pauvre, elle a perdu le bébé. En fait, Linda, mais c'est une fille qui avait besoin de compassion, d'exister, en fait. Toujours des mensonges. J'ai toujours dit à Hichem, ouvre tes yeux et fais attention. Les enquêteurs découvrent une nouvelle facette de Linda, une femme manipulatrice qui vit dans le mensonge. Et pas qu'un peu, car Linda mène plusieurs vies en parallèle. En fait, elle n'a pas un, mais deux amants. En réalité, Kamel, ça n'était qu'un pion dans le paysage amoureux de Linda. Caroline Malaga, avocate de la Défense. Lui, on aura la certitude qu'il ne voyait que par elle. Elle, on saura qu'elle jonglait entre Kamel et cet autre amant. C'est une femme qui apparaît véritablement comme une croqueuse d'homme, et c'est une femme sulfureuse. Et avec ce second amant, Linda mène la grande vie. Elle va même entretenir cet amant en lui offrant des nuits dans des palaces sur la Côte d'Azur. C'est Linda qui l'invitait dans des hôtels à Cannes de luxe. Fatia Benbrika, sœur d'Hichem. Des chambres à 800 euros, que c'est Linda qui payait les chambres. On s'aperçoit que le rapport qu'elle entretient, qui peut être un rapport de dominant-dominé avec Kamel, s'inverse complètement lorsqu'elle est aux côtés de cet amant. Une relation basée sur l'art de vivre, c'était une bonne vivante, elle le gâtait. Et c'est pour ça que chaque week-end, madame, puisqu'elle était en déplacement, je revois Hichem aux courses avec sa petite boîte de thon dans le petit chariot et que madame est belle gaspiller les sous du foyer. C'est dingue. Pour comprendre ces choses... Yasmina Benbrika, mère d'Hichem. Un film, c'est pas comme ça. Les policiers en savent désormais un peu plus sur Linda. Une femme à multiples facettes qui menait trois vies en parallèle. Alors il se demande si elle ne serait pas en train de les berner également sur le meurtre de son mari. Mais ils n'ont aucune preuve contre elle. Alors, il ne l'inquiète pas. Les semaines et les mois passent et l'affaire en reste là. Seule, Fatia continue de se battre. Elle tente toujours de convaincre les policiers de la culpabilité de sa belle-sœur. Je vais voir la police chaque jour. Et l'inspecteur me disait, mais c'est pas elle, vous vous trompez. Mais je dis, mais c'est elle, vous comprenez pas, c'est elle, mais je la connais, moi. Et en fait, je repartais chez moi en pleurs. J'avais peur, mais qu'elle s'en sorte. Elle a continué sa vie, Linda. Et nous, on a l'angoisse. On a l'angoisse totale. Je dormais plus, je menais l'enquête, je cherchais. Chaque jour, je partais voir l'inspecteur, je pleurais, mais j'insistais que moi, je savais, mais qu'il ne comprenait rien. Et en fait, moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Moi, j'étais impuissante. Moi, je ne suis pas avocate, je ne suis pas inspectrice, mais je n'avais pas de pouvoir, en fait. Voilà. La famille Benbrika se sent démunie. Hichem a été assassiné il y a 5 mois, et l'enquête désigne Kamel comme seul coupable. Mais les policiers vont bientôt revoir leur certitude, car l'affaire va connaître un nouveau coup de théâtre. Depuis le meurtre, Kamel est en prison. Son avocate lui rend visite, et ce qu'elle lui révèle va changer le cours de l'histoire. Elle lui lit les dépositions de Linda, qui affirme que son mari n'était pas violent et que c'est lui le menteur. Il est abasourdi par ce que je lui dis. Et je sens que toute son armure se fissure. Je sens que son monde s'effondre. Il me dit, mais répétez. Je répète à nouveau qu'elle souhaite que justice soit faite et qu'elle ne veut plus jamais voir sa tête en face.
quand il apprend cela... Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Il se dit, mais je suis en train de gâcher ma vie pour quelqu'un qui me trahit. Et là, il me dit, il faut que je sois entendu par le magistrat instructeur parce que je dois expliquer ce qui s'est passé. Je dois expliquer ce qu'elle m'a demandé de faire. Le 17 février 2012, 5 mois après l'assassinat d'Hichem, Kamel est extrait de sa prison pour être entendu à sa demande par le juge d'instruction. Il va expliquer qu'il ne peut plus couvrir celle qu'il aimait et qu'il est là pour dire la vérité. Oui, il est bien l'auteur de ce crime, mais il l'a fait sur ordre de sa maîtresse, qui voulait faire disparaître son mari. Pour Kamel, plus question de protéger Linda. Il détaille au juge d'instruction comment sa maîtresse aurait tout manigancé. Il dit que Linda se plaignait sans cesse de son mari. Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Elle lui faisait part de ses peurs, de tout ce qu'elle vivait qui était plutôt assez terrible. Et puis les plaintes sont de plus en plus importantes jusqu'au fait que tu dois le faire disparaître. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Kamel raconte au juge que les semaines passent et que Linda se fait de plus en plus insistante pour qu'il la débarrasse d'Hichem. Il me frappe, qu'il frappe les enfants, il va brûler les enfants. Progressivement, va se tisser une toile psychologique autour de Kamel. C'était la veuve noire qui tissait sa toile. Vous savez, ce genre de pantin qu'on manipule. C'est là qu'il va prendre la décision de le faire. Kamel raconte qu'il cède. Il accepte de tuer ce mari qu'il pense tortionnaire. Mais le juge d'instruction lui donne le coup de grâce. Il lui apprend que l'enquête a démontré qu'Hichem n'était pas un homme violent. Kamel s'effondre, rongé par les remords. Il l'a tué, il le sait, un homme innocent, aimant, qui n'a jamais été violent. Il s'est pris pour Zorro. Je vais sauver Linda avec les enfants. Mais je comprends pas qu'on peut croire des trucs comme ça alors que Linda, elle avait pas de bleu. C'était pas une femme battue quand même. Et je comprends pas que Kamel, il ait pu croire des trucs comme ça, quoi. Le juge d'instruction écoute Kamel avec attention. Il veut maintenant connaître dans le détail l'élaboration de l'assassinat. Qui a fait quoi ? Kamel explique alors que c'est Linda qui a tout organisé. Linda lui aurait dit à peu près à quelle heure Monsieur Benbrika serait présent au domicile familial. Il va également recevoir la veille de la part de Linda un talkie-walkie afin que les deux puissent échanger par un autre biais que le téléphone et afin de ne pas pouvoir laisser de traces. La mort de Hichem, c'est prémédité par Linda. Elle a tout calculé. Donc Linda, elle avait mené son plan diabolique. Kamel rajoute que c'est elle qui lui a donné le mot et la photo d'Hichem retrouvée dans sa voiture. Elle voulait être certaine qu'il puisse le reconnaître. Et ça n'est pas fini. Elle a aussi, dit-il, réglé l'assassinat au millimètre. Kamel va s'approcher du bâtiment. Caroline Malaga, avocate de la Défense. Il va regarder par la fenêtre. Linda va le voir. Kamel explique qu'il a sonné comme c'était convenu avec Linda à l'interphone. C'était elle qui devait décrocher. C'est elle qui devait dire à Hichem, c'est ton copain, il t'attend en bas. Pour qu'Hichem descende, il fallait bien qu'elle le rassure. Mais descends, il y a ton copain en bas. Hichem n'a aucune raison de se méfier. Il descend rejoindre son prétendu ami. Et le plan fonctionne à merveille. Elle se retrouve à la fenêtre avec son talkie-walkie à prévenir Kamel. Et elle lui dit, c'est bon, il descend.
Selon lui, c'est Linda qui lui donne le top départ. Elle s'est pas dit à un petit moment donné, je suis avec mes petits, leur père, il va mourir. Mais comment je peux faire ça, mes gosses ? Fatia Benbrika, sœur d'Hichem. Hichem, quoi. Hichem que je connais depuis que j'ai 15 ans. Hichem que j'ai aimé, mais qui m'a aimé. Mais comment est-ce qu'elle a pu le laisser partir ? Ça, je sais pas comment, hein. Elle vit avec ça, hein ? Yasmina Benbrika, mère d'Hichem. Je sais pas. Kamel raconte qu'il entend Hichem descendre les escaliers. Il exécute alors le plan, comme prévu. Kamel va se cacher dans un petit local et il va attendre qu'Hichem descende. Hichem descend, il a une cigarette à la main. Il cherche son ami, il le cherche, il ne voit pas son ami. Hichem a eu le temps de sortir, de fumer sa cigarette et de rentrer à nouveau dans le hall pour se rendre chez lui. Et c'est à ce moment-là que Kamel surgit du local et qu'il lui tire dessus. Et Kamel, mais comment est-ce qu'il n'a pas pu mais se dire « Mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis fou !» Les aveux de Kamel sont accablants. Selon lui, Linda serait bien le cerveau de toute cette affaire. Pour le vérifier, le juge d'instruction demande en urgence une expertise graphologique du mot retrouvé dans sa voiture. Si c'est son écriture, Linda aura du mal à se justifier. Et sans attendre les résultats, les policiers interpellent la jeune femme. Le jour même, elle est conduite au commissariat et placée en garde à vue. D'emblée, les enquêteurs lui font part des accusations de Kamel. Il la désigne comme l'instigatrice de l'assassinat de son époux. Et sa réaction va étonner les policiers. On a une femme qui est totalement ahurie. Elle va immédiatement contester la version donnée par son amant. Linda n'a aucun moment... Nicolas Massuco, avocat de la Défense. Demander à Kamel de procéder au meurtre de Hichem. Si son amant change aujourd'hui de version... Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. C'est pour tenter de se défausser sur elle et d'atténuer sa responsabilité. Linda ne se laisse pas impressionner. Les enquêteurs tentent alors de la désarçonner en évoquant les Tokiwoki, le mot manuscrit et la photo d'Hichem. Mais elle ne se démonte pas. Elle a réponse à tout, quasiment. Elle va expliquer que les talkie-walkie, ça lui servait dans son domaine professionnel, à savoir le domaine de la sécurité. Elle n'a jamais donné de photo d'Hichem à Kamel. Cécile Gontard-Quintric, avocate des enfants Benbrika. Donc forcément, il l'a prise quelque part. D'ailleurs, il était venu déjà chez elle, donc c'était tout à fait possible. Et concernant le mot... manuscrit, elle est formelle. Je n'ai jamais rédigé ce mot. Linda reste campée sur ses positions. Son amant est un menteur. Alors les policiers reprennent leurs investigations afin de trouver d'autres preuves de sa culpabilité. Ils épluchent l'historique de l'ordinateur de Linda et ils font une découverte étonnante. On va s'apercevoir que dans le cadre des recherches par Linda, il y a notamment la recherche « Que risque-t-on en cas de crime passionnel ?» Peine de prison pour un crime passionnel. Pour les enquêteurs, ces recherches sont évidemment très suspectes. Ils demandent alors à Linda de s'expliquer. Elle justifie ça par des recherches qui ont été faites immédiatement après les faits pour savoir quelle serait la peine que Kamel encourait, puisqu'il avait reconnu les faits. Il est indiqué que, selon l'argumentation de Kamel, on serait dans le cadre d'un crime passionnel.
Elle recherche crime passionnel. Linda se défend bec et ongles. Mais le juge d'instruction a encore un atout dans sa manche. Et de taille. Il vient de recevoir les résultats de l'expertise graphologique du mot retrouvé dans la voiture de Kamel. Et les conclusions sont sans appel. C'est Linda qui l'a écrit. Mais encore une fois, elle a une explication. Elle dit « J'ai dû téléphoner à l'assurance de mon mari et elle a donné des informations à cet agent d'assurance, dont le numéro de la plaque d'immatriculation, la marque de la voiture, l'adresse, etc. » Et elle dit « Instinctivement, quand j'ai dit, j'ai noté. » Elle retranscrivait par écrit de manière un petit peu machinale. Caroline Malaga, avocate de la Défense. Ce qu'elle était en train d'évoquer au téléphone. Cette fois-ci, elle ne réussit pas à convaincre les policiers de son innocence. Le mot de sa main, les recherches internet, les accusations de son amant, les enquêteurs ont enfin les réponses à toutes leurs questions. Pourtant, il reste encore une inconnue dans cette sordide affaire, le mobile. Pourquoi Linda aurait-elle voulu assassiner son mari ? Aucun mobile, et je dis bien aucun mobile, ne pourra être reproché à Linda. Pour l'accusation, Linda a tout simplement décidé d'éliminer Hichem, car elle ne l'aimait plus. Les policiers découvrent d'ailleurs que, depuis sa mort, elle a tout fait pour le gommer de sa vie. Le mobile, c'est que elle ne supportait plus son mari. La preuve en est, c'est que une fois qu'il est mort, la première chose qu'on cherche à faire 2 mois après, c'est changer le nom de ses enfants. Une autre preuve, c'est que immédiatement après les faits, on rompt les liens entre les enfants et les grands-parents paternels. Je n'aime plus, je coupe tout. Tout lien avec les Benbrika. On voit à ce moment-là la haine des Benbrika chez Linda. Elle est machiavélique, elle est diabolique, elle est terrible. À l'issue de sa garde à vue, Linda est mise en examen et incarcérée pour complicité d'assassinat. Pour la famille d'Hichem, c'est un énorme soulagement. Mon Dieu, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Fatia Benbrika, sœur d'Hichem. J'en ai pleuré au téléphone. Je me dis enfin, ça y est, quoi, justice est faite, quoi. On a un peu respiré, parce que c'est lent pour nous. 5 mois, c'est lent. La maman d'Hichem reste amère, car c'est cette belle fille qu'elle avait accueillie à bras ouverts dans sa famille qui les a trahis de la pire manière qui soit. Vous vous rendez compte? Je prie dans mes bras l'assassin à mon fils. Yasmina Benbrika, mère d'Hichem. Et je le crois pas. Parfois je dis c'est vrai ou c'est pas vrai. La famille Benbrika attend maintenant avec impatience le procès. L'enjeu est énorme. Linda n'a jamais avoué. Si elle convainc la cour et les jurés, elle pourrait être acquittée. Dans le cas inverse, elle risque de passer la moitié de sa vie en prison. Le procès de l'assassinat d'Hichem s'ouvre le 10 mars 2015 à Draguignan. 4 ans après les faits, tous les regards sont rivés sur ceux que la presse surnomme les amants terribles. Kamel avait sa tête baissée, quoi. Il n'a pas levé la tête. Il nous a demandé pardon. Mais tandis que Linda, elle regardait sa famille, elle leur faisait des petits coucous, elle faisait des sourires, elle faisait des bisous. Lorsque les deux amants s'affrontent dans le box, le silence s'installe dans la salle. Chacun campe sur ses positions. Linda soutiendra qu'elle n'est responsable de rien. Nicolas Massuco, avocat de la Défense. Kamel est un menteur, qu'il ne fait ça que pour pouvoir justifier de l'acte impardonnable qu'il a commis. Ça ne peut pas tenir, parce que Kamel, depuis le départ, dit « c'est moi ». Je le reconnais,
Vous pouvez me mettre la peine que vous voulez. Par contre, elle et moi, lorsque nous nous regardons dans la glace, nous savons ce qui s'est passé. C'est elle qui m'a demandé, c'est elle qui m'a donné telle instruction. Bertrand Pain, avocat de la famille Benbrika. Elle qui dit, je n'ai rien demandé, il l'a fait lui-même. Ceux qui se sont aimés pendant plus de 7 mois se déchirent à la barre. Avec aplomb, Linda maintient qu'elle n'était au courant de rien. Mais cette fois, ses mensonges ne convainquent personne. Les jurés ne se laissent pas berner. Ils sont convaincus que Linda est le cerveau de l'affaire. Le 20 mars 2015, après 10 jours de procès, Linda écope de la peine la plus lourde, 25 ans, pour complicité d'assassinat. Kamel, lui, est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Toute la salle s'est levée et tout le monde a applaudi. Ça a été une satisfaction énorme. Elle a été condamnée sans hésitation, coupable. Voilà. Mais Linda ne renonce pas. Elle fait appel du verdict et elle demande au ténor du barreau Éric Dupond-Moretti de venir renforcer sa défense. Et celui que l'on surnomme « acquittateur » demande tout bonnement son acquittement. Mais après 10 jours de procès, la défense musclée de Linda ne réussit toujours pas à convaincre la cour et les jurés. Ils restent persuadés qu'elle a manipulé son amant et elle écope de 20 ans de réclusion criminelle. Tout comme Kamel. Ces lourdes condamnations soulagent la famille Benbrika. Elle a gagné son combat, rendre justice à Hichem. Il leur reste maintenant la douleur de son absence. Il manque beaucoup Hichem. C'est invivable. On pense toujours à lui. Il est toujours dans nos cœurs. Il est toujours avec nous. Il n'y a pas une minute qu'on ne pense pas à Hichem. De matin au soir. Il a laissé un vide. Qui repose maintenant en paix. Moi, ce que je vais garder de mon frère Hichem, mais c'est son beau sourire, quoi. Voilà, que c'était quelqu'un de sain et plus d'honnête, et qu'il aimait ses enfants, mais plus que tout, et qu'il a été un bon mari, le pauvre, et surtout un bon fils et puis un bon frère. Voilà, et qu'on l'aimera tout le temps, quoi. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.